Deuxième conseil d'administration de l'entreprise étatique pour l'année 2024. Au menu des échanges, un bilan à mi-parcours de l'exécution de la feuille de route estampillée du sceau de la performance, issu du dernier conseil d'administration du 16 février 2024. Ce qui nous unit, c'est avant tout l'intérêt supérieur de la SGEPP et de, de ses parties prenantes. Nos responsabilités en tant qu'administrateurs vont au-delà des débats personnels ou des préoccupations individuelles. Elles consistent à créer un environnement de travail harmonieux basé sur la confiance mutuelle et le respect de nos engagements communs. Que nous établissons un climat de confiance et de respect en valorisant la contribution de chaque administrateur. Chacun de nous a une expertise unique à apporter et c'est en écoutant ces différentes perspectives que nous pourrons prendre les meilleures décisions pour l'entreprise. Le stockage des hydrocarbures liquides et de gaz butane destiné au marché national, principale activité de la société qui porte l'ambition d'un développement actif et durable de la ressource gazière au Gabon, mais surtout les rendre accessibles à tout moment et pour cadrer avec les orientations du conseil d'administration partant du comité de transition, la direction générale d'y avoir Renforcer ses capacités opérationnelles, un point inscrit aux recommandations du 16 février 2024. Sur l'instruction des hautes autorités, il nous a été demandé de trouver des solutions pérennes pour la disponibilité des bouteilles de gaz. Il s'agit de deux principaux projets qui ont attrait à l'augmentation des capacités de mise à disposition et de lutter contre la pénurie des bouteilles de gaz à l'intérieur du pays. Nous avons acquis le centre de gaz de Port-Gentil et nous sommes sur la phase de démarrage du centre de gaz de Mwanda. Celui de Mwanda va permettre de couvrir les zones de Lotogue, Logue Lelo et Logue Evindou. L'entreprise est en bonne santé, selon la direction générale. Tout marche comme sur des roulettes. Cependant, le rapport final de cette séance de travail sera disponible, s'il dit. Un rapport qui devrait permettre d'évaluer le niveau d'efficacité de la nouvelle direction générale mise en place par le CTRI à la suite de leur prise de pouvoir le 30 août 2023.